excusez-moi, vous avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? C'est une galère, ce que tu Comment ça, tu donnes pas au prochain? La voiture? Ouais. Tu veux faire un tour? Comment ça, tu veux faire une tour? Je viens de te demander une pièce, tu m'as dit que je donne pas au clochard. Ah ouais, ben moi je fais pas faire des tours au michto, moi. Salut internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler une nouvelle fois de Sully Prono. Alors pour tous ceux qui le connaissent pas, c'est le pronostiqueur que je suis depuis des mois et qui me fait gagner de l'argent, et pas mal d'ailleurs, tous les jours. Alors en plus de ça, si vous êtes connaisseur, vous savez qu'en ce moment c'est la Ligue des Champions et que c'est le moment de se lancer parce qu'il y a pas mal d'oseilles à se faire. Grâce à lui, vous pourrez arrondir vos fins de mois, vous faire un petit peu d'argent de poche. Et si vous avez n'importe quelle question, si vous voulez lui parler, si vous voulez lui poser des questions en ce qui concerne les pronostics, n'hésitez pas, surtout pas, le lien est aussi dans la description. Et vous verrez par vous-même que c'est pas des conneries. La seule condition à ça, c'est d'être majeur. Bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Salut internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais clarifier les choses et vous expliquer pourquoi aujourd'hui on sort cette vidéo, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Alors pour tous ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que il y a à peu près plus de 2 semaines, on est monté à Grenoble pour aller voir des gens qui m'insultaient sur internet parce qu'ils m'avaient donné rendez-vous. On est allé à leur rencontre avec le poteau GameX13. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets un petit extrait maintenant. Tu vois, ton collègue, la rue, elle est ici, mon frère. Vas-y, il a fait quoi? Il y a pas de caméra, de YouTube, je sais pas quoi. Il a fait quoi? Tu vois, tu rentres dans les quartiers. Moi, je vais te montrer ce que c'est un quartier. Comme vous avez pu le voir, nous nous sommes rendus à Grenoble. Nous avons rencontré les 3 personnes qui m'insultaient sur internet. Et comme ça allait en venir aux mains, on a fait intervenir les frérots avec qui j'étais et avec qui je suis monté, donc GameX13, Fafa TV et Farid Zitoun. Comme vous l'avez vu, nous n'avons pas été agressifs, nous n'avons pas été violents. Cependant, ces personnes ont décidé de se venger et ont retrouvé mon adresse, je ne sais pas par quel moyen, et se sont rendus chez moi. Donc la vidéo que vous allez voir, elle n'était pas censée être tournée du tout, elle n'était pas prévue. Et vous allez voir que ça a pas mal dérapé et que c'est allé très loin. On se retrouve à la fin pour une petite conclusion et pour vous expliquer comment les choses vont se passer. Bon visionnage à tous. Salut internet, alors cette vidéo n'était pas du tout prévue. Je suis avec Geoffrey, l'acrosique, que vous connaissez déjà. On était en train de manger Burger King, tranquillou. Et il y a des jeunes qui se sont mis à sonner. Là, je sais pas si on les entend, depuis tout à l'heure ils crient dehors. Je sais pas si à la caméra on entend. Mais c'est des jeunes qui sont venus sonner chez moi. Et depuis tout à l'heure ils m'appellent, Okamov, Okamov, sors, pâté, couffé. Et on discutait avec Jo, là on est avec Lord aussi qui a pris ma caméra du coup pour filmer. C'était pas du tout prévu. Mais du coup on va voir ce que ces jeunes me veulent. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des jeunes devant chez moi cagoulés et qui m'appellent par mon nom et qui veulent que je sorte. Je pense pas que ce soit bon d'y aller, mais à un moment donné, c'est soit ça, soit ils vont rentrer chez moi si ça continue et j'ai pas envie d'appeler la police non plus. Donc on va aller voir, frérot. Je vais vous les filmer, je vais sortir et on va voir comment ça se passe. Tu viens, Lord, on y va? Viens, on va à la terrasse. On va regarder à la terrasse. Il faut sortir, frérot. Attends, essaye de le filmer, mais frérot, si je sors, ils vont me défoncer. Ils vont t'éclater. Ils sont venus. Je pense qu'on aurait été vivants. Comment on fait, gros? Oh là là, comme ils sont. Comment ils sont? Il y a des mecs cagoulés et tout, frère, ça crie. Vas-y, sors, vas-y, sors. Tu veux que le royaume, t'es là? Non, non, ça me bat les couilles, la voiture. Eh ouais, non, mais non. On est 3. Vas-y, on y va. Ouais, c'est relou, toi. C'est pareil. C'est pas grave, faut que je règle les problèmes. En vrai, faut que les choses... Vas-y, viens. En fait, j'ai pas envie d'y aller parce que je sais qu'ils vont me déchirer. Ils vont me déchirer, ouais. On fait quoi? Ben, je vais aller, mais vous restez pas avec moi, vous taillez. Toi, filme ce que tu peux filmer de loin au cas où ça part en couille. Mais je peux pas me défiler. Et moi, je vais te laisser. Parce que gros, si je me... En fait, je t'explique. Ici, il y a mes parents qui habitent. Si je vais pas les voir, ils vont m'éclater la voiture. Ils vont commencer à casser les couilles. Le voisinage, ils vont commencer à les faire chier. Et ils risquent de rentrer. Et j'ai pas envie de rentrer. On appelle les flics. Ah, frérot, on appelle pas les flics. Vas-y, on y va, on assume. On assume, hein. Qu'est-ce que je te dis? On va se faire éclater. Non, non, mais toi tu restes pas et Lord aussi, vous restez pas ici de toute façon. Il y a que moi qui suis concerné, ça sert à rien de. Tu vois? Et
t'en fais quoi? Reste tout seul. Ben ouais. Ouais, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu sais pourquoi ils ont mis des cagoules? Tu sais pourquoi il y en a quand des cagoules? Parce qu'ils savent qu'ils vont être filmés. Et ils veulent pas qu'on les reconnaisse. Ça veut dire qu'ils comptent faire du sale. Moi, je compte pas faire du sale. Je mets pas de cagoule. Mais si je compte faire un truc de fou, c'est pour pas qu'on me reconnaisse. Donc si, t'inquiète pas, je sais que je vais morfler là. Là, je le sais. Je le sais très bien. Taillez-vous, restez pas là. Bah ouais. Les gars, regardez, juste je vais vous demander un truc. Je sais pas pourquoi vous êtes cagoulés. Je vais juste vous demander un truc, les gars. Si vous... Est-ce qu'on peut s'écarter parce que j'ai mes parents là par respect. On va s'écarter maintenant que l'on sort. Vas-y, prends le bien. On fout de lui après. Tu vois ce qu'on va lui faire. L'autre jour, maintenant que t'as ta caméra, t'es venu à Grenoble. T'étais combien? Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut discuter? Juste on s'éloigne parce qu'il va appeler les flics. On va être emmerdé. Toi, comme. Vas-y, c'est appelé gendarme. Vas-y, viens. On va discuter où? C'est jamais court, frère. Vas-y, on va s'en. Regarde bien ce qu'on va lui faire à ton collègue. Si tu veux bien, tu vas voir ce qu'on va lui faire. Papa, tu peux courir. Comment vous avez trouvé mon adresse? T'inquiète, ça t'inquiète pas. T'as voulu faire le malin, maintenant tu vas assumer. On est de Grenoble. On sait tout. On sait tout, Ouais, il y a un garage là. Là en bas. Ici là. Juste s'il vous plaît, faites pas de mal aux collègues. Vas-y. Non, cassez-vous. Ah, les gars, lâchez-les, là, cassez-vous. Partez, c'est pas grave, on s'en fout. Arrêtez, les gars, doucement. Les gars, mais j'assume, regarde, j'assume. Y'a pas de problème, fais ce que vous avez. C'est quoi, fais ce que vous. Faites ce que vous avez à faire en vrai. Mets-le dans le coin. L'autre jour, t'es venu à Grenoble, là on fait comment maintenant? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on t'en va maintenant. C'est quoi le problème? Mais je. En fait, comment vous avez trouvé mon adresse déjà? Y'a pas de mais, on s'en bat les. Y'a pas de mais, vas-y, parle, explique. Mais pourquoi je vous ai frappé? Moi, la dernière fois, j'ai frappé quelqu'un. Non, mais t'as pris la confiance, t'as voulu faire le malin, t'as voulu montrer à tes abonnés, je sais pas qui là, que tu viens de Marseille pour mettre la misère au mec de Grenoble. Maintenant, nous on est de Grenoble, on est venu. Donc voilà, les amis, vous arrivez déjà à la fin de cette vidéo, mais pas de panique. Si vous voulez voir ce qui s'est passé, étant donné que YouTube nous censure beaucoup de contenu, nous avons décidé de poster la suite de la vidéo sur la chaîne secondaire que vous connaissez déjà ou pas, Kamoff TV. Le lien est dans la description pour la partie 2. Quittez cette vidéo et on se retrouve sur la chaîne secondaire. A toutes.